nationaux, aux tout venant, à des personnes à loyauté partagée, comme on dit, pas loyauté douteuse. Il peut y avoir des Congolais qui ont la binationalité et qui peuvent faire des choses très importantes pour le pays, mieux même que des Congolais de souche. On l'a vu aux États-Unis. Je pense que les États-Unis n'ont pas eu beaucoup de secrétaires d'État de la valeur de Henry Kissinger, mais jamais les Américains n'ont accepté qu'Henry Kissinger devienne président des États-Unis, tout simplement parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, parce que telle est la loi. C'est comme ça que les Américains ont arrangé leur loi électorale. Pourquoi on veut empêcher les Congolais d'organiser ou de réfléchir à une loi électorale qui protégerait leur pays de toutes ces convoitises? Ça n'a rien à voir avec la valeur. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la valeur des individus, parce que je ne doute pas qu'un Américain aujourd'hui puisse mettre en doute les qualités du docteur Henry Kissinger ou les qualités de madame l'autre secrétaire d'État Madeleine Albright, qui n'est pas née aux États-Unis mais qui était une excellente secrétaire d'État. Aucun Américain ne mettra en doute ses qualités ni les services qu'elle a rendus aux États-Unis, mais jamais par l'application de cette loi de jus soli, elle ne sera candidate aux élections présidentielles. Et là, on ne parle pas d'exclusion ou quoi. Pourquoi seulement ici au Congo, ça devient une exclusion? Donc, en gros, certains ils disent avec cette loi, il faut être regardant avec avec qui on doit se marier, avec qui, je veux dire, parce que l'expression, on doit faire des enfants si on veut un jour que votre fils ou fille accède, on se dit... Écoutez, je vais vous faire une confidence. Ok. Moi, j'ai des enfants qui sont binationaux, puisque ma femme n'est pas congolaise. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir de manière tout à fait rationnelle. Je sais qu'avec cette, si cette loi venait, mes enfants ne pourront pas briguer le poste de président de la République. Et ça vous dérange pas? Mais pourquoi ça vous dérangerait? Parce que l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation passe au-dessus de mes intérêts à moi. Si je suis capable de faire abstraction de mes intérêts, je peux même me sacrifier moi-même. Je peux sacrifier mes enfants pour